C'était un prank. Mais tu sais, en plus, non. Mais c'était un prank totalement. Ah, mais j'ai cru que j'étais pas sa soeur, j'ai cru que j'étais adoptée. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie d'Elina. C'est moi. Mais aussi de ma cousine Salomé. Salut. Que vous connaissez peut-être, vous l'avez sûrement vu dans cette vidéo que vous pouvez retrouver ici. Sur le petit... Voilà. Ça fait bizarre, d'habitude c'est moi qui clique dessus. Alors Salomé est née en France, mais elle vit à Tel Aviv et elle est d'origine cubaine. Elle est venue ici en France pour quelques temps. On a d'ailleurs fait quelques sorties et on n'a pas fini d'en faire d'ailleurs. Si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez déjà suivi un petit peu nos aventures. Si vous ne nous suivez pas sur les réseaux, il est encore temps, hein. Vous pouvez nous rejoindre ici. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur Salomé, donc peut-être qu'un jour on fera une FAQ, hein, pourquoi pas. Salomé, est-ce que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui? Que la mère gagne. Elle me met un coup de pression là. Là c'est pas n'importe quoi là, c'est qui me connaît le mieux. Donc est-ce que Elina, tu es vraiment une sœur ou est-ce que Salomé, ma cousine qui nous suit régulièrement sur les réseaux, etc. Est-ce qu'elle me connaît mieux que toi, tu ne me connais en tant que sœur? En fait, je suis pas vraiment ta sœur parce que tu as été adoptée. Voilà, voilà. Mais je te connais bien, hein, t'inquiète pas. Bah, on va découvrir ça tout de suite. On vous a filmé tout à l'heure, on vous a posé différentes questions, enfin les mêmes pour vous deux. Et donc là, vous allez vous voir sur la tablette, voir vos réponses. Et donc ça va être drôle parce que vous allez peut-être vous dire « Ah non, c'était pas ça la réponse et tout !» Parce que je sais que moi j'ai tout vu, tout entendu, d'accord. Et Elina, Salomé, elle est forte, hein. Tu parles beaucoup. Je tiens à te le dire, c'est tout. Je tiens à te le dire. Donc Elina, on va voir si tu me connais mieux que Salomé. Alors, normalement, ça devrait être comme ça. On sait pas, il peut se passer des choses. Parce que tu es ma sœur, donc au quotidien, on se voit. Le temps, ouais. Et donc voilà, j'espère que tu me connais bien. Et toi Salomé, bah tu me connais beaucoup par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et puis surtout t'es ma cousine. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes à découvrir vos réponses mutuelles? Oui. Oui. Yes. Alors c'est parti. Ben let's go. Let's go. Coucou Salomé. Coucou. Alors est-ce que tu penses que tu me connais mieux que Lina, même si c'est ma sœur? Je sais pas. Ça va dépendre des questions, je pense. Hein. Bonjour Elina. Bonjour. Es-tu prête à répondre à mes questions? Me connais-tu bien? Oui. Tu penses? Je pense bien te connaître. Ok, bon, on va voir ça. Je suis pas sûre tout de même. Oui, mais bon, tu sais, il peut y avoir des failles. Ah. C'est vrai, moi je connais pas ta couleur préférée, donc je sais pas si ce sera... Je la connais pas, même pas moi-même en fait, j'aime toutes les couleurs. Ah voilà. Tu vois, donc il y aura des questions peut-être qui vont être un peu compliquées. Dans le prochain, qui me connaît le mieux, si c'est avec moi, tu pourras dire que j'aime toutes les couleurs, tu vas gagner. Voilà, c'est bien. J'ai appris quelque chose. Alors la première question que je vous ai posée, c'est quel est mon aliment préféré? Vous vous en souvenez? Ouais. Ouais. Donc on va voir tout de suite la réponse d'Elina. Les pâtes? Parce que genre, t'en manges souvent... Je pense, je suis pas sûre, mais je pense. Ok. Ok. D'accord. Et maintenant, la réponse de Salomé. Bah, t'avais fait une vidéo 24 chocolats, non? Oui. C'est le chocolat, je crois. Oui, c'est ça. Donc, tu penses que c'est le chocolat? Ok. Elle a raison, je suis sûre. Attends, vas-y, c'est quoi du coup la réponse? La réponse était. Le chocolat. Mais c'est sûr. Du coup, un point pour Salomé d'abord. Non, mais en plus, tout le monde aime le chocolat, quoi. Mais oui, tout le monde aime le chocolat, Elina. Ou alors, t'aurais pu dire. Non, mais je pensais aliment, genre aliment. Tu m'aurais dit gourmandise, moi je t'aurais dit chocolat. Alors, je te dis un truc que je pourrais manger toute la vie, tout le temps. Bon, bah, des pâtes. On mange tous les chocolats. Après, manger des pâtes tout le temps, nature, c'est bof, hein. Mais bah, tu vois, il y avait des fraises, t'aurais pu dire les fraises. Là, je t'aurais parlé. Mais moi, j'ai pas mal les fraises. Tu m'as pas dit fruits, tu m'as pas dit mots, tu m'as dit aliments. Moi, j'ai pas dit pâtes. Aliments. Voilà, c'est pas grave, peut-être que tu te rattraperas au suivant. Ensuite, je vous ai demandé ma couleur préférée. Ah, ça, je sais très bien. Terracotta, parce que tu as clairement tous les fonds d'écran sont terracotta, tous tes habits sont terracotta, j'espère qu'elle n'entend pas. Tous tes habits sont terracotta, toujours terracotta. Terracotta. Bah, le beige que t'en portes tout le temps, même tu m'avais offert une tenue beige pour Disneyland. Ok.
Possible, mais terracotta et beige, c'est un peu la même chose. Alors, moi j'avais écrit beige. Parce que je savais que Salomé ne pourrait pas dire terracotta. Donc... Mais on gagne toutes les deux parce que le beige est... On peut dire terracotta. Que... Je sais pas. Terracotta, c'est quelque chose de très spécifique, alors que beige, c'est une palette de couleurs immense. Tu vois, donc ça passe mieux. Mm-hmm. Donc, un point pour Salomé et pas pour toi. Tu m'avais jamais dit ça, hein. Moi, je sais pas, tout est fond d'écran. Bon, d'accord, voilà. Bah, tu te rattraperas sur les prochains, t'inquiète pas. Oui, t'inquiète pas. Oh, yeah, oui, ça va aller. Alors ensuite, j'ai demandé la matière préférée à l'école. Bah, en fait, moi, j'aurais dit anglais, mais à l'école, je crois que t'aimes pas... À l'école, bah je dis anglais, même si je suis pas sûre que ça soit ça. D'accord. D'accord, anglais. Je sais que tu préfères en anglais, mais t'aimes beaucoup dessiner, donc je dirais art plastique. Oh non. Art plastique, d'accord. J'ai encore perdu. Oui. Mmh. Salomé a eu la bonne réponse. Tu te rends compte ou pas? Là, pour maman, je crois que c'est que des bonnes réponses. Et c'est incroyable. Ouais, je crois. Et Nina? Quoi? Rattrape-toi! Mais t'as été adoptée de toute façon! En fait, c'est ma soeur à moi! Voilà, exactement! Fallait le dire! Donc là, on est à 3 points pour Salomé, 0 pour lui. Non, mais c'est. Mais là, non, mais c'est faux votre truc! Tu sais très bien que c'est le terracotta ta couleur préférée! J'ai demandé ma phobie. Ça m'a fait gagner. Les poupées. Les poupées, puisqu'elle a peur des poupées, je n'ai pas de. Voilà, c'est elle, elle m'a dit, j'ai peur des poupées. Donc. J'ai gagné là. Les araignées, on va dire. Je sais pas. Tout à l'heure, tu t'étais battue avec une abeille, une guêpe ou je sais quoi, donc je dirais que c'est un truc dangereux quoi. D'accord. C'est toi, tu l'avais dit. On t'avait demandé ta phobie, t'as dit les poupées il y a pas longtemps. Oui, mais quand je l'ai écrit, j'ai écrit pour moi guêpe. Abeille, donc pour moi la plus proche c'est Salomé. C'est une grosse joke. Il y a pas longtemps elle a dit que sa phobie c'était les poupées. Oui, mais peut-être qu'elle a peur des poupées, mais que c'est la phobie c'est de, d'avoir c'est une araignée là où c'est quoi une guêpe. Franchement, ouais, une abeille se pointe à côté de moi, je hurle, alors qu'une poupée bah j'ai un peu peur, tu vois, j'ai un peu mais phobie, si c'est phobie, c'est vraiment ça. Voilà. Bon, désolée, Elina. Mais le pire, c'est que moi, j'ai sorti des trucs sur anecdotes. Genre, vraiment, je pensais juste à... Oui, parce que genre, elle a juste vu une abeille à côté de moi tout à l'heure et tout. Donc bon. Alors, signe astrologique, ça, bon, voilà. Hein. C'est la vie tout à l'heure. Et par contre, là, si c'est pas ça... par contre, là, si c'est pas ça, on va vraiment truquer. Parce que depuis le début, que des trucs... C'est quoi cette question? Voilà. C'est ma sixième balance. Une autre. Bah voilà, parce que peut-être que Salomé ne sait pas, donc on va voir. Mmh. Bah, on en a parlé cette soirée, donc ouais. On sait peut-être. Balance. Ah, tu connais. C'est bien. Vous pouvez mettre le point, s'il vous plaît. Mais le point pour personne, parce que ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Ou alors le point à zéro, tout le monde. Zéro. Bah, okay. Soit un point à tout le monde, soit pas de point. Zéro, zéro, allez, c'est une question. Ouais. Je vous ai demandé après ma taille. Qui connaît ma taille? Mais tu l'as dit. En plus, tu l'as dit aujourd'hui, je crois. Bah je sais, 1m51. Tu l'avais dit à toi tout à l'heure, 1m52. Ouais. Oh! Imagine, c'est 1m52. Non, mais pour de vrai. 1m52? C'est quoi la réponse? 1m52. J'ai grandi depuis la dernière année. Tout à l'heure? Mais non, j'ai dit 1m52. Elle avait dit 1m52 et 52, Lina. Faut écouter, Lina! Faut écouter! Je jurais qu'elle a dit 51. Elle a dit 52. J'ai pas dit 51, j'ai dit 52. Ah ouais. Ah t'inquiète Elina, t'inquiète, je vais te le pardonner hein, si tu connais pas ma taille. Mais voilà, maintenant tu sais. C'était 1m51, c'était l'année dernière, mais depuis voilà. T'as... Mais elle avait dit 51. Ah bah, allez-y, la suite. Bref, donc après ma taille, je vous ai demandé ma pointure. Alors, 36, 37, 36 et demi je crois. Ou 30, non, 37. 37. 36. Ouais, je crois 36. C'est 36. Non, mais cette bouche, les venins, c'est 36. Bah oui, cette bouche, ça veut dire que c'est... Pourquoi tu fais deux? Bah après. Mais après, en plus, tu le savais, donc pourquoi? Mais en plus, t'as hésité, c'est dommage. Imagine, t'aurais pris 36, t'aurais gagné.
T'aurais pu gagner en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points pour Salomé. Ne compte pas la... On en compte un en moins, ouais. Donc ça fait 6 points. Pire, je pensais pas que j'allais connaître autant, alors parce que je me suis vraiment focalisée sur des anecdotes. Genre. Il reste 5 questions. Bah du coup, elle a gagné. Pas faux. Mais bon, allez, on continue. Non, on verra, peut-être qu'il y a des questions à double point. Non, je rigole, je sais pas. On continue quand même. Bah oui. Ok. Donc ensuite, je vous ai demandé mon animal préféré. J'ai perdu. Le chat ? Non, le lapin. Non, le chat. Ok, et maintenant la réponse de Salomé. Tout à l'heure, je t'ai vu en train de regarder des vidéos de canard. Donc je dirais le canard. Canard ? Imaginez, c'est ça. Par contre, là, c'est vraiment une joke. Je te jure, je voulais pas te le dire parce que j'ai pas envie que tu aies la même passion que moi des canards. Même ma cousine, qui, elle avait déjà la passion des canards et elle mais voulait même pas, moi, je elle voulait pas que j'ai la même passion qu'elle. Et je lui ai dit, j'adore les canards et tout. Et moi, je voulais pas te le dire pour pas que t'aimes les canards. Mais je suis désolée. Eh non, mais c'est truqué, c'est sûr que vous êtes truqué. Vous avez tout truqué là, vous deux. Non, Nina, c'est dommage, je ne connais pas, mais. Et c'est tout ? Mais je te dis, je me suis basée sur des anecdotes. Et c'est tout ? Et c'est tout. Donc maintenant, on va passer au jeu préféré. Là, j'ai gagné. Donc on va voir. Donc elle dit la même chose. Minecraft. Minecraft. Elle va dire bref. Minecraft aussi. Minecraft. Ouais, toujours 0 points. Bon, D'accord, bon. 0 points. Mais en soi, t'as eu déjà deux ou trois bonnes réponses en soi, donc. Mm-hmm. Je vous ai demandé mon film préféré. Oh là là. je pense que Salomé, elle sera. Elle-même, elle sera pas. Si c'est sûr, elle sait tout. C'est une génie. Bah, je vais dire au hasard, Little Miss Sunshine. J'ai vraiment dit au hasard, non, je sais pas du tout. Je suis sûre que même elle est médium. Elle est médium. Ouais, c'est ça, elle est médium. J'ai embusqué les esprits. J'étais choquée quand elle m'a sorti les réponses. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Elle est médium, attends. C'est pas le film là, dans le cirque, où t'as fait la voix. Oui, The Greatest Showman. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Ok. Bah, c'est ça, vu qu'elle a dit oui. Mais c'est bon, fais pas ta Pardon. Et en plus, non, je te jure que j'étais choquée, mais vraiment, elle sait tout. Après, on va voir les derniers, je sais plus si elle avait eu tout bon ou non, mais c'est impossible qu'elle ait tout bon. Je suis sûre qu'il y a genre deux ou trois réponses après, c'est bon, c'est mort quoi. Donc, plat préféré, je vous ai demandé, attention. Pâte au saumon, si j'ai tort là. Les pâtes au saumon. Les pâtes au saumon. Les pâtes au saumon. Vu que t'aimes beaucoup la crème, je dirais les pâtes à la crème et champignons, je sais pas, pâtes à la crème champignons. Imagine, c'est ça. Elle a dit pâtes à la crème, et pour moi, dès qu'il y a de la crème dans un plat, c'est où? Mais même moi, j'étais pas prête. T'étais à ça, quoi. T'étais à ça. Et en plus, tu sais, je me disais vers le champignon, je suis choquée par contre que tu saches ça. Genre vraiment, à quel moment tu fais ça, quoi? Parce que j'adore ça, mais je sais pas. Je suis en déréalisation là, je... Oh là là. Et puis là, on arrive à la dernière question. Quel est mon gâteau préféré? Genre en boulangerie? Fraisier. Ouais. Ok. Fraisier. Croquant au chocolat. Non, c'était sûr. Croquant au chocolat, bah oui, je le savais en plus. Et du coup, ça, Salomé a toutes les réponses. Et t'as genre eu 2 ou 3 ou 4 réponses à peu près. Bah je crois que Salomé t'as 7 ou 8 points, un truc comme ça, ça va être noté dans le montage. Et puis toi bah 0. Bon bah voilà, comme quoi Salomé qui regarde nos vidéos de chez elle, qui ne vit pas à la maison comme Elina, elle connaît peut-être presque mieux, elle me connaît presque mieux que toi, qui est ma sœur. Mais après c'est des questions en plus. Attends, le titre de cette vidéo, ça va être « Elina ne me connaît pas ». Tu sais, c'est pas possible. Non mais, bon, je suis un peu choquée, mais bon. Je suis mauvaise perdante. Ah. Aïe, aïe. Non, tu dis bah, juste... On donne nos impressions, non? Ah, vas-y, donne tes impressions, pardon. J'ai l'impression que c'était truqué. Bref, donc, bah, je veux une revanche. Voilà, c'est ce que je veux.
À quand? À bientôt. Donc, tu finis la vidéo en disant, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai perdu. Reprends, pardon. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Non. C'était un prank. C'était sûr. C'était sûr. Vous voyez, tu cramais un petit peu vers la fin. Mais, par contre, t'étais grave dégoûtée. Je le vois, tes yeux sont brillants. Tes yeux, ils sont brillants, Elina. On a donné toutes les réponses à Salomé. Bon, il y avait quelques-unes qu'elle connaissait, genre Balance, elle savait que j'étais Balance, mais à part ça, bah... Et puis la taille aussi, je savais, mais... Vous avez voulu, c'est pas ça. Mais tu sais, en plus, mais c'était un prank totalement, parce que les bonnes réponses que t'avais, on les a changées. Non. Et les bonnes réponses que t'avais, on les a changées. Attends, je vais pleurer. C'est être un prank drôle et on pleure, on chiale. C'est bon, tu me connais mieux que ça, mais ça va. Ah, j'ai peur. Et pour tout te dire, Elina, on a même modifié les réponses parce que t'as donné beaucoup de bonnes réponses. Je me disais, sur le truc de la pointure, j'avais dit 36 au final. 36 et demi, je crois. Ou 37. Non, 37. Ou 30. Oh. Je vais dire 36. Oh, j'ai peur. Et aussi sa taille, elle est 1m51. Bon, elle a peut-être pris 1 cm depuis, mais c'est vrai qu'on était resté sur le 1m51. Et pareil, au départ j'avais écrit renard pour animal préféré, mais depuis pas longtemps c'est les canards. Mais les canards c'est vraiment son animal préféré. Vraiment, on a changé beaucoup de choses. Hein. Bon, beaucoup de choses. Je suis démaquillée. Il fallait pas te maquiller, ma fille. Elle en peut plus. Ah. Mais j'ai cru que j'étais pas sa soeur, j'ai cru que j'étais adoptée. En plus, Elina, elle aime bien se faire chouchouter par les vannes, donc là, c'est compliqué, hein. Sa cousine qui la connaît mieux. En plus, j'étais dure avec toi pendant la vidéo. J'ai fait, ah pardon, Elina, pardon. T'étais trop nulle, Elina. Désolée pour toi, mais t'as perdu. Je suis fière d'avoir trouvé cette idée de prank. Je suis fière parce que. Ah oui, c'est les vannes. Parce qu'au départ, on devait faire un qui de nous deux normal. Et c'est les vannes qui a eu l'idée de. Et si on prankait Elina? Et la prochaine fois en vrai, parce que là, j'ai perdu ma vie. Bon, voilà. Cette fois, c'est officiellement la fin de cette vidéo. C'était trop drôle. On espère que ça vous a plu. Voilà, on espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres pranks comme ça, n'hésitez pas à nous donner des idées en commentaire. Bah, mettez des likes déjà pour nous dire que vous avez aimé ce prank. Bon, allez, on dit au revoir à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.